Bonjour à toi, c'est Rémi, samedi 18h au moment où la vidéo sort et c'est la dernière vidéo. Ah oui, non, c'est pas la dernière vidéo définitive de ma chaîne YouTube. Non, c'est juste la dernière vidéo avant des vacances de YouTube. J'ai pris cette décision un petit peu en coup de tête la semaine dernière, je savais pas encore trop si j'allais faire une pause. Et des événements personnels que je tairai ici parce que ce n'est pas l'endroit pour en parler ont fait que j'ai décidé de faire cette pause. Donc j'arrête pour l'instant YouTube, donc tout le reste du mois de juillet, tout le début août, mi-août, j'arrête. Je reviendrai fin août. Je ne sais pas encore exactement quand, quelle date précisément, mais je vous annoncerai cette date sur les réseaux sociaux de la chaîne, d'où l'importance d'aller suivre tout ça. Donc c'est Facebook, Instagram et Twitter qui sont ici juste devant vous et en bas dans la description. Surtout sur Facebook et Instagram en fait, parce que ça marche en story, c'est très simple à faire des stories. Donc surtout sur ces deux-là, Facebook et Instagram. Donc d'ici la mi-août, je pense, je commencerai à vous annoncer la date de retour. Et en attendant, je resterai quand même, j'essaierai quand même de rester actif sur ces réseaux-là. Si je vois des choses en high-tech, en bagnole, etc. Qui viennent passer et qui m'intéressent, je vous en parlerai. Donc cette vidéo, elle est là simplement pour vous annoncer ça. Là, la pause, les vacances YouTube que je m'offre. À côté, j'ai toujours mon travail personnel, etc. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si, ça y est, je coupe tout, hop, je m'en vais à Punta Cana pendant 2 mois et puis terminé. Non, c'est juste que j'arrête YouTube pour vraiment me garder du cerveau pour mon boulot, pour moi-même, là, pendant tout l'été, pratiquement. Alors, au moment où je tourne la vidéo, là, je regarde sur mon YouTube Analytics, on est 1413 personnes sur cette chaîne, 1413 abonnés. Ah, c'est trop peu. Abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Il n'y a pas de super abonnement avec un don qui est demandé à chaque fois, etc. En activant la cloche des notifications, bien sûr, à l'abonnement. Comme ça, à chaque vidéo qui sort, vous êtes averti. Donc abonnez-vous, comme ça, on sera de plus en plus de personnes. Et c'est ce que je dis à chaque fois, plus on est de personnes et plus on a de poids si on veut faire des choses, etc., etc. Toujours petit point chiffre sur les 365 derniers jours à compter de la date d'enregistrement de la vidéo. Donc on est le 8 juillet. Les 3 vidéos sur le podium, c'est 3 vidéos carrettes qui parlaient de gasoil, de moteur diesel, etc. Donc le comparatif entre le gasoil classique et le gasoil Exilium. Depuis sa publication, elle a enregistré 21 509 vues, cette vidéo. Bon, bah, elle marche bien. Deuxième position, le retour sur le nettoyant Bardal diesel 5 en 1, etc. Suite au test que j'avais fait juste avant, qui, elle, totalise 21 825 vues à compter de la date d'enregistrement de la vidéo, le 8 juillet 2022. Et en haut, sur le podium, le test du nettoyant Bardal diesel 5 en 1, etc. qui totalise au moment de l'enregistrement de la vidéo 60 805 vues. Sur ces vidéos, c'est aussi celles qui ont fait le plus réagir en fait, parce que chacun avait, on va dire, son avis personnel, ce qui est pas plus mal, mais chacun son avis personnel dans une situation personnelle différente à chaque fois. Et je tenais juste à rappeler ça, c'est qu'effectivement, là, sur ces vidéos-là, les avis que vous, les commentaires que vous laissez, etc., donc pour laisser votre avis sur ces nettoyants, etc., mais c'est surtout lié, en fait, à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement avec votre voiture. Donc certes, vous allez peut-être tester l'additif, le nettoyant, vous allez dire, mais putain, ça marche pas, c'est de la merde, là, ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est du brin, il nous a couillonné. Oui, mais peut-être qu'en face de vous, notamment moi, il va y avoir des personnes dans une situation différente, et pour elles, ça va marcher en fait le nettoyant, en fait quand elles vont le tester, ça va marcher. Donc en fait c'est juste une histoire de situation, de conditions au moment où vous utilisez ce genre de produit là et donc chacun effectivement a son avis différent. Donc voilà, il faut respecter ça, hein, parce que j'ai vu que parfois, ouais, non, toi tu dis de la merde, c'est pas ça, machin. Ouais, calmez-vous, les mecs, chacun a son avis différent parce qu'on est tous dans des situations différentes. Donc il n'y a pas les mêmes effets. Voilà, je voulais juste faire ce petit point parce que, bah, effectivement, j'ai vu un peu la déferlante à un moment donné. Voilà, on a tous une situation différente. Voilà, parenthèse fermée, je voulais juste en fait parler un petit peu de ça. Donc, la pause YouTube, c'est maintenant. Tout le reste du mois de juillet, tout le début août, je reviens normalement fin août, je vous annonce la date sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram en story, donc n'hésitez pas à les suivre. Je resterai actif sur ces réseaux si je vois des petites choses passer en high-tech, en bagnole, etc. Donc suivez-les et continuez à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. C'était Rémi, c'était la dernière vidéo. Je vous laisse, passer un bel été, de bonnes vacances. Prenez soin de vous parce que c'est hyper important. Si on ne prend pas soin de soi, bah, carotte mon cul. Allez, une deuxième fois et je m'arrête là. Bel été, bonnes vacances. Ciao, ciao.